Au château de Tavernet, Joseph Balsamo révèle à Marie-Antoinette son destin tragique. La dauphine emmène à Versailles André, Philippe de Maisonrouge et Nicole, la servante et sosie de la future reine. Un soir, Balsamo plonge André dans un sommeil cataleptique et le jardinier Gilbert, passionnément amoureux, abuse d'elle. Elle met au monde un fils. Gilbert, pour se venger, enlève l'enfant et disparaît. Marie-Antoinette et André sont sauvés par le comte de Charny dont elles tombent amoureuses. La reine, seule, est payée de retour. André est désespéré. Jaloux, le chevalier de Maisonrouge provoque Charny. Ils se battent en duel. Maisonrouge triomphe. Charny est blessé. Dans son délire, le jeune homme révèle ses sentiments pour la reine. Danger. Marie-Antoinette lui rend son amour, mais le somme de quitter la cour. Le désespoir d'André grandit. Elle décide d'entrer au couvent et fait ses adieux à son frère. Charny, de retour à Versailles, croit surprendre une idylle entre le cardinal de Rohan et Marie-Antoinette. Il lui fait une scène violente. Pour se disculper, la reine n'hésite pas à lui donner rendez-vous nuitamment dans le parc. Là, elle laisse éclater son amour pour le jeune homme. Mais le destin est en marche. Balsamo a déclenché la sombre affaire du collier. Rohan, impliqué, est arrêté par le roi. La passion de Charny le jette aux genoux de la reine. Surprise par Louis XVI, la reine, pour sauver Charny, affirme que celui-ci veut épouser André de Tavernet. Par amour pour sa reine, Charny accepte. Vous m'impressionnez dans votre habit de religieuse. Vous semblez me donner un conseil sévère. Ce n'est pas moi qui me permettrai de donner des conseils à la reine. La mort elle-même ne vous avertira que le jour où elle vous prendra. Que voulez-vous dire ? Ce qui peut rendre la vie agréable, la reine le possède. Elle le prend à autrui, c'est son droit. Autrui pour la reine, c'est une collection de sujets dont l'honneur et la vie lui appartiennent. L'instant de leur dernier souffle est le seul où ils se retrouvent parfaitement égaux à elle et elle à eux. Voilà des doctrines étonnantes, mademoiselle. Vous faites de la reine je ne sais quelle ogresse de conte qui engloutit le simple mortel. Est-ce que je ressemble à ce monstre? Non. Évidemment non, madame. C'est étrange, cependant. D'habitude, la retraite d'un couvent protège des mauvaises passions de ce monde, à ce qu'on dit. Je vous trouve ici... Le front sévère, la remontrance aux lèvres. Moi, je suis venue simplement pour vous dire que je suis toujours votre amie. Vous me comblez de bonheur et de joie. André.
Je ne puis vous prendre le cœur. Il faut que vous me le donniez. Je vous ai aimé, madame. Autant que j'aimerais jamais en ce monde. C'est donc que vous ne m'aimez plus. Alors, maudit soit le cloître qui éteint si vite le souvenir en certains cœurs. Mon cœur est mort. Votre cœur, à vous, si jeune, si belle. J'ai oublié mon âge et mon apparence. Mon confesseur m'en félicite chaque jour. Vous plaisez tant au couvent? Je ne conçois plus d'autre existence. J'ai cru un moment que je pourrais vous rendre heureuse, mais c'était une grande erreur. Je renonce. À quoi, madame? Je voulais vous ramener à la cour. À la cour? Mais que feriez-vous à la cour d'une femme pauvre, triste, maudite? Il n'a jamais su inspirer de jalousie aux autres femmes, ni de la sympathie à aucun homme. Laissez-moi donc à ma misère. Je vous en prie. Pourtant, ce mariage aurait mis fin aux humiliations dont vous vous plaignez. Un mariage? Je refuse. En ce cas, adieu, mon ami. Au moins, madame. Faites-moi la grâce de me nommer la personne assez généreuse pour souhaiter ma compagnie. Le comte de Charny. Le comte de Charny? Ce n'est pas possible. Mais si, il s'agit bien du comte de Charny. Et c'est lui qui demande ma main? Mais oui. Oh, mon Dieu. C'est donc moi qui l'aime. Il m'aime comme je l'aime. Madame, j'accepte. Quand partons-nous? Fais le chant. Ah, mon fils! Ça, mon père, je vais vous parler. Eh bien, je t'écoute, animal. Je rentre chez nous. Alors tu disparais. Ah, j'en aurais mis ma tête à couper. Bien joué, mon garçon. Qu'est-ce qui est bien joué, s'il vous plaît? Eh bien, oui, je m'en vais. Et apparemment, vous êtes content de vous débarrasser de moi. Ah, Philippe, ne me joue pas la comédie, hein? Pas à moi, s'il te plaît. Ouais, tu te figures que j'y crois une minute à ton départ? En vois-tu, mon garçon, il n'y a pas d'homme plus curieux que moi. Et quand je cherche, je trouve. Et je suis ravi d'avoir trouvé. Non, tu as mille fois raison. Sans cette ruse, la mèche était vendue. Et où fais-tu semblant d'aller? Je vais pour de bon à Taverne et Maison Rouge. Sois prudent. Bien des gens ont les yeux braqués sur vous. Et elle, avec son impétuosité, non, sois plus raisonnable qu'elle, sinon... Elle vous perdra. Bon, quand vous aurez fini, mon père, je vous ferai mes adieux. Tu deviens blessant, mon garçon. Tu as peur que je ne te trahisse? Mais je m'en moque bien, moi, après tout. La maison du louvetier derrière les bains d'Apollon. Mais tout Paris est au courant, pauvre idiot. Comment les bains d'Apollon? Ah, ça? Il a mis tout le monde dans le vent.
Ce soir, à la Régence, 20 personnes m'ont dit c'est Rohan. 50 m'ont dit c'est Charny. 100 m'ont dit c'est Rohan et Charny, mais personne, tu m'entends? Personne ne m'a dit c'est Maison Rouge. Ah, un chef-d'œuvre qui vous fait honneur à tous les deux. À elle, parce qu'elle t'a pris. À toi, parce que tu la tiens. Mon père, vous êtes horrible. Monsieur le baron, c'est Mademoiselle André. André? Allons, bon. Encore des complications. Ah, mais qui vient encore? Comte de Charny? Ah, ben, c'est le jour des surprises. Mademoiselle, messieurs, est-ce bien monsieur le baron de Tavernet-Maison-Rouge que j'ai l'honneur de parler? Oui, monsieur le comte. Ferez-vous la grâce de m'accorder un instant d'entretien? Oh, tous les instants que vous voudrez. Entrez, comte, entrez. Ma fille, passez devant. Nous parlerons ensuite. De vous demander la main de Mademoiselle de Tavernet. Vous demandez ma fille en mariage? Oui, baron. Je sais. C'est un grand honneur pour la famille Tavernet-Maison-Rouge. Et j'accède avec joie à votre requête. Mais il faut que vous partiez d'ici avec un consentement entier. Je vais chercher ma fille. C'est inutile. La reine a bien voulu la consulter et la réponse de votre fille m'a été favorable. Parce que c'est la reine. Bien, bien. Mais je dois vous dire que vous n'épousez pas une fille riche. Je suis riche pour deux, monsieur. Et votre fille n'est pas de celle qu'on marchande. Pardonnez-moi, comte, j'ai entendu la fin de votre conversation avec mon père. Il est indispensable que vous soyez au courant de la situation de notre famille. Nous y tenons essentiellement. Allez chercher nos papiers, mon père. Je vais commencer à traiter la question avec monsieur. Je reviens dans un instant. Comment osez-vous faire cette démarche? Est-ce pour mieux cacher votre amour pour une autre femme et le sien pour vous? Vous faut-il absolument une épouse pour protéger votre maîtresse? Chevalier. Et vous faut-il une femme grâce à qui vous puissiez voir facilement celle que vous aimez? N'allez pas plus loin! Comte, j'étais moi-même dans le parc de Versailles la nuit où celle dont nous parlons est venue vous y rejoindre. J'ai tout vu. Et tout entendu. Chevalier! Vous aimez aussi la reine, n'est-ce pas? Sinon, est-ce que nous nous serions battus l'autre fois? Je vous en conjure, aidez-moi à la sauver. En quoi la reine est-elle perdue? Parce que je sais qu'elle vous aime? Non, parce que le roi m'a surpris à ses genoux ce matin même. Dieu, qu'est-ce que... Et que la reine m'a justifié en prétendant que je lui demandais la permission d'épouser votre sœur. Je vous parle franchement, confiant dans votre honneur de gentilhomme. Il faut que j'épouse Mademoiselle de Tavernet, sinon la reine est perdue. Le baron de Tavernet vient de mourir. Je suis à présent le chef de la famille. Si ma sœur survit à cette terrible épreuve, je vous la donnerai en mariage. Adieu, monsieur Charny. Thank you.
monsieur. Sortir celui-ci de la voiture. Cours, Sierra, moi. Mais allons plus vite. Mais laissez-moi avec elle, elle est innocente. C'est lui qui est tout peur. Soyez le bienvenu, monsieur le lieutenant de police. Madame. Quel genre de nouvelles m'apportez-vous? Je vous serai reconnaissant si elles ne sont pas mauvaises, car les bonnes se font rares depuis quelque temps. La reine jugera sur pièce. Y a-t-il à Trianon un endroit où vous puissiez voir sans être vu? Ne me dites pas que vous l'ignorez. Pas vous. Madame... Alors, vous savez bien que j'ai là un cabinet secret où l'on peut voir tout ce qui se passe dans le salon à travers la glace. Le feu roi s'en servait pour faire subir certains examens, paraît-il. Oh. Que désirez-vous? J'ai une personne que je voudrais vous montrer, à vous seul. Eh bien, passons dans le cabinet secret. Le temps de votre petite comédie. C'en est une, en effet. Nous pourrions l'appeler la comédie des erreurs. Que dites-vous de cette ressemblance? Il faut que le roi soit informé immédiatement. Et que monsieur de Provence soit mis en présence de cette personne, n'est-ce pas? Merci, monsieur de Crone. Et qu'allez-vous faire d'elle à présent? Oh, mademoiselle Oliva n'est qu'une comparse. Nous tenons la comtesse de la Motte Valois, qui est la tête du complot. Folle que j'ai été! Dieu sait pourtant si le roi m'a mise en garde contre elle, et aussi mademoiselle de Tavernet. J'ai d'excellents amis, voyez-vous, monsieur le lieutenant de police. Mais je ne sais pas les entendre. Madame, vous êtes bien Jeanne de Saint-Rémy de Valois, épouse de Marie-Antoine Nicolas, comte de la Motte? Mais oui, monsieur. Vous êtes bien né à Fontette le 22 juillet 1756. Oui. Vous êtes très bien informé. Mais pourquoi me posez-vous ces questions?
Madame, j'ai l'honneur d'être le greffier de la cour. Et je vais vous lire l'arrêt qui a été prononcé contre vous en séance du 31 mai 1786. À genoux, s'il vous plaît. À genoux ? À genoux, moi ? Une Valois à genoux ? Faut-il que je vous apprenne la loi ? On ne se met à genoux que pour faire amende honorable, après un arrêt condamnant une peine infamante. Le bannissement n'est pas infamant. Mais qui vous parle de bannissement ? On me l'avait promis. Sans doute vous aura-t-on fait de fausses promesses. À quoi suis-je donc condamné ? Au fouet, à la marque des faussaires et à la réclusion à perpétuité. À genoux, s'il vous plaît. Jamais ! Jamais, lâchez-moi ! C'est la reine qui vous commande, n'est-ce pas ? La reine n'est pour rien dans les discussions de la cour. Vous avez tort de l'accuser. Je vais vous lire la sentence. Jamais je ne laisserai lire une sentence qui me condamne à la famille. Jamais. Si j'avais voulu dire tout ce que je sais sur la reine, je serais pendue, mais pas déshonorée. Jamais je n'entendrai votre sentence. Jamais. 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 Arrêt rendu par le Parlement de Paris. En sa séance du 31 mai 1786, au palais de justice de la dite ville, ayant à juger Jeanne de Saint-Rémy de Valois, épouse de Marie-Antoine Nicolas, comte de la Motte. Est-ce bien la comtesse de la Motte que le fer rouge du bourreau a marqué ? On le dit, oui. Mais j'ai une autre opinion. Comédie. Comédie, payée au bourreau et à la victime. Comédie effroyable, alors vous avez senti comme moi l'odeur de la chair brûlée. Affaire de prix. Ce n'est pas un terrain sur lequel je vous suivrai. Et alors vous ferez comme les autres badauds, vous finirez par dire que vous avez vu marquer Madame de la Motte. J'ai vu une femme marquée, oui. Mais celle que le bourreau a flétrie, ce n'est pas la comtesse de la Motte Valois. Mais si ce n'est pas elle, alors, qui ? Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France. Adieu, Marat. Adieu, Robespierre. Je vais assister à une messe de mariage, mon frère. Ne me parlez pas de ménage et de mauvais ménage. Ce serait de mauvais augure pour les jeunes époux. Je m'en voudrais de compromettre le bonheur d'un si beau couple, sire. Ce sont des gens que j'estime et qui auront toujours ma protection. Vous êtes miraculeusement belle aujourd'hui, madame. Midi va bientôt sonner, je ne vois pas les futurs époux. Sire, le comte de Charny et sa future épouse vous attendent à la chapelle. Ah ! Monsieur de Crone, a-t-on bien conduit le comte de Cagliostro jusqu'à la frontière ? Il vogue sur l'Adonis, sire, à destination de l'Amérique. Et c'est la Motte qui se prétend Valois. N'est-ce pas aujourd'hui qu'elle doit subir son châtiment ? Cela s'est fait ce matin, sire. Le cardinal de Rouen doit être bien contrarié de savoir qu'on a ainsi marqué sa complice. À la chapelle ! Jacques-Olivier de Charny, prenez-vous pour épouse Marie-André de Tavernay. Oui. Et vous, Marie-André de Tavernay, prenez-vous pour époux Jacques-Olivier de Charny. Oui.
André, vous m'avez sauvé. Mon honneur me vient de vous. Ma vie est à vous. Je remets cet écrit entre vos mains. C'est le gage de ma reconnaissance. C'est la dot que je vous donne. Votre cœur est le plus noble de tous les cœurs. Appelez-moi votre sœur, je vous jure que je n'en rougirai jamais. Marie-Antoinette de Lorraine, d'Autriche. Que ferez-vous à présent, comte ? L'abbaye de Suffrène me confie le commandement d'une frégate, madame. Je pars pour Brest immédiatement. Moi, je pars pour le pays où ma mère est morte. Toujours mon ennemi, chevalier. Non, monsieur. Puisqu'en fait, vous êtes mon beau-frère. Allez. C'est un réel plaisir de se trouver à la Bastille, surtout lorsqu'on rentre d'Amérique. Et j'aimerais savoir à qui adresser mes remerciements. Mon ami, je me doute bien que vous n'avez pas un accès direct au registre d'écrou, mais vous connaissez sûrement une personne serviable, qui en connaît une autre, et ainsi de suite, jusqu'aux archives de la forteresse. Je suis prêt à payer le trajet d'ici jusqu'au registre et le retour du registre jusqu'ici. Alors c'est entendu. C'est entendu. Tu trouveras quelqu'un pour consulter le registre. Je veux savoir le nom de la personne qui m'a fait jeter à la Bastille. Un sourd muet.
Je suis dans une tombe avec un sourd muet pour geôlier. Gilbert, mon ami, ton retour à la mère patrie ne se fait pas sous les meilleurs auspices. À moi, philosophie. Sébastien Gilbert. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne savez pas que le jardin est interdit aux élèves? Si, mais c'est le seul endroit où l'on puisse méditer, monsieur. Surtout aujourd'hui. Venez au parloir, vous avez une visite. Mon père? Deux personnes surprenantes qui, paraît-il, viennent en son nom. Allons, courez. Alors, Sébastien, tu ne reconnais pas ton frère de lait? Oh, je puis tout! Vous voulez emmener cet enfant? Emmener? Sûrement pas du temps qu'il fait, monsieur le principal. Paris est dans un bouillonnement qui fait peur. Surtout à nous qui arrivons de notre belle campagne. Que voulez-vous? Il y a eu d'abord les États généraux, puis l'Assemblée nationale, et ce qui devait arriver arrive. Révolte partout. Même au collège Louis-le-Grand, vous rendez-vous compte? Les écoliers se déclarent en état d'insurrection et veulent chasser leur maître. Pas toi, Sébastien? Si. Je suis de cœur avec eux. Eh bien, vous voyez, les idées nouvelles ont semé leur poison jusque dans cette jeune tête. Tout coco et fili. L'envoi n'avait qu'à pas renvoyer, monsieur. Renvoyer, monsieur Necker. Vous contestez les décisions souveraines de Sa Majesté? C'est un homme. Et un brave homme, à ce qu'on m'a dit. Mais il commet des fautes, comme tout un chacun, et c'est pas un péché que de lui en tenir rigueur. À part ça, vous permettez que je parle à cet enfant? Tant que vous ne lui montez pas la tête. Tout. Rassurez-vous, on vient juste lui parler du bon docteur Gilbert, son papa. Mais... vous ne savez pas? Mon père a été arrêté, jeté à la Bastille. Quoi? Mordieu, le docteur Gilbert à la Bastille. Écoute, mon garçon. Je suis le père Billot. Je m'occupe des terres de ton père, là-haut, à Aramon. Si on t'a pris ton papa, aie confiance. Je te le rendrai. Mais père Billot... on dit que Paris est plein de soldats autrichiens que la reine a envoyés. Oh là là, il n'y a pas que des soldats. Il y a aussi du peuple. Et quand le peuple se fâche, ça fait du monde en colère. Et dis-moi, qu'est-ce que ton père fait à la Bastille? C'est parce qu'en Amérique, il a écrit un livre. À la gloire de Washington, de Lafayette et de la liberté. Contre le roi, surtout. Contre le divin principe de la monarchie. Non, monsieur. Contre la tyrannie et la Bastille. Alors ils l'ont mis dedans. Quand? Il y a 6 jours. Venez débarquer au Havre. Tenez, j'ai reçu une lettre de lui. Vous voyez ce que nous devenons, messieurs? Nos élèves reçoivent des lettres de gens qui sont à la Bastille et nous devons fermer les yeux. Tiens, lis. Sébastien, on m'arrête et l'on me conduit à la Bastille. Patience. Espère et travaille, Lillebonne, 7 juillet 1789. Post-scriptum, on m'arrête pour la liberté. Faites passer ce livre à Sébastien Gilbert, au collège Louis-le-Grand à Paris. Et ils le lui ont fait passer. Vous avez vu le titre du livre en plus? C'est le contrat social de Jean-Jacques Rousseau.
Mon père a été son élève autrefois. Monsieur, c'est de la superstition. À chacun son évangile, monsieur le principal. Reste ici, mon garçon. Que ton père te retrouve sain et sauf quand je te l'amènerai. Un prisonnier de la Bastille, ici? Il ne le sera plus quand on l'aura délivré. Allez, marchons, Pitou. Vade ad quae vade, Sebastianus. Contrat social. Vous ne l'avez pas lu, j'espère. Monsieur, je le connais par cœur. Herbillot, regardez voir ce que j'ai glané. Vois-tu ramasser cet arsenal? Oh, il y a eu du vilain à la terrasse de ce qu'on appelle les Tuileries, là-haut. Il y a eu beaucoup de morts, surtout des gens du peuple, mais aussi des dragons. Tenez, prenez le mousqueton. Moi, je garde le sabre. Et le casque? Oh, je tiens au casque par-dessus tout. Ma tête se plaît dedans. Tu vas le garder pour dormir? Oh, même en dormant, le plus brave des soldats n'est pas à l'abri d'un mauvais coup sur la tête. Et en veillant, chacun peut être tué par une balle. Sublata causa tolitur effetus. Et où veux-tu en venir avec ton jargon? Madame, nous sommes bien à Paris pour récupérer une certaine cassette que nous a donnée... le docteur Gilbert avant de partir en Amérique. Et que des gens de la police vous ont indûment confisqué à la ferme. Si vous mourrez d'une balle, ergo, l'affaire est dans le lac. T'as raison. Écoute. Écoute comme le peuple est en colère. Oh, le roi aussi est en colère. On dit qu'il aime le peuple, mais il le fait charger par ses dragons. C'est ce que l'abbé Forti appelle un paradoxe. Le roi ne fait rien sans l'avis de la reine. C'est elle qui gâche tout. Et qui dévore toute la fortune du royaume. Il faut que l'Assemblée nationale mette bon ordre à tout ça. Ouais. Vive l'Assemblée nationale! La cassette. Il faut que je prévienne le docteur Gilbert qu'on me l'a volée. Et puis j'ai promis à... Sébastien de lui rendre son père. Mais son père est en prison à la Bastille. Eh ben, qu'est-ce que c'est que la Bastille? Une forteresse comme une autre. Maintenant que nous avons des armes, nous allons ramasser dans les rues quelques braves et nous nous ferons ouvrir les portes de la Bastille. Allez. Bonne nuit, Pitou. Bonne nuit, Herbillot. Docteur Gilbert. C'est moi le docteur Gilbert. Allez, ouvre la porte, dépêche-toi. Veni vidi vici, vous êtes libre. Libre? Ouais, moi, le père Billot et quelques autres, nous avons libéré la Bastille et arrêté le gouverneur. Maintenant, nous libérons les prisonniers. Tu as dit le père Billot? Monsieur Gilbert. Billot. La Bastille est tombée. Jour sublime que j'avais prévu donc arriver. Merci au génie éternel qui veille sur la liberté des peuples. Ouais, ouais. Je pensais que vous aimeriez savoir quel est le gredin qui vous a fait embastiller. Alors on a fait des tours par les archives de la forteresse et voilà votre certificat d'écrou. À la route. Oh.
Aujourd'hui, 9 juillet 1789, fait entrer le sieur G, philosophe et publiciste très dangereux, le maître au secret le plus absolu. L'ordre vient de la maison de la reine et c'est signé la comtesse de Charny. Je ne comprends rien. Je n'ai jamais rien fait à cette personne. Pour la bonne raison que je ne la connais pas. Mais il est vrai que j'ai quitté la France il y a 15 ans. Nous réglerons ce point-là plus tard, Billot. Conduisez-moi au collège Louis-le-Grand. C'était prévu, docteur. Tu viens, Pitou? J'arrive, Pierre Billot. Pitou. Ange Pitou. Madame, vous ne me reconnaissez pas? Eh ben, t'as drôlement grandi, mon gaillard. Tu peux le lâcher, tu sais. C'est exactement comme je vous espérais. Toi aussi, mon enfant. C'est bon de nous voir réunis, Sébastien. C'est un miracle. Accompli par le brave peuple de Paris, mon fils. Oui. Quand je vous ai vu, c'est Dieu que j'ai remercié. Tu as raison. Dieu est au fond de toute chose. Nous allons encore nous séparer. Pour peu de temps, j'espère. Il faut que je retrouve des papiers que la police m'a volés. Ne sois pas triste. Je te promets de revenir très vite. Ce n'est pas pour ça que je suis triste. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Il me semble que la vie n'est pas faite pour moi comme pour les autres. Comment? As-tu quelque chagrin secret? Dis-moi la vérité. Vous allez me prendre pour un fou. C'est un rêve que je fais. Il m'effraie et me comble de joie en même temps, comme si j'étais transporté dans un autre monde. Je l'ai eu pour la première fois, quand j'étais petit. Je me suis perdu dans le bois d'Aramon, derrière la maison de ma nourrice. Et là, j'ai vu quelque chose comme un fantôme. C'est d'abord comme le frôlement d'une robe près de moi, puis une vapeur, et enfin la silhouette d'une femme. Une femme? Puissance inconnue m'a tiré vers elle. Oh, elle était belle, mon père. Plus qu'aucune femme que je n'ai jamais vue. Je lui tendais les bras. Et alors elle disparaissait. Et cette vision, tu l'as souvent? Oui. Ici même, dans le jardin du collège. Je m'y sens appelé par une force à laquelle je ne puis résister. Écoute-moi, Sébastien. Tu as une nature trop sensible. Qui serait cette femme? C'est ma mère. C'est
C'était impossible. Car la femme de mon rêve existe. Elle existe? Oui. Comment cela? À la Pentecôte, on nous a conduits en promenade à Satory, près de Versailles. Et là, j'ai vu passer la femme de mon rêve dans une voiture tirée par 4 chevaux magnifiques. Elle est vivante. Prenez-vous. Je ne peux donc pas être ma mère. Puisque vous m'avez toujours dit qu'elle était morte. J'ai tort de vous raconter ces folies, n'est-ce pas? Non. Au contraire. Parle-moi chaque fois que tu me verras. Je tâcherai de te guérir. Ah non. Non, ne me guérissez pas. Avec mon rêve, je ne suis plus tout à fait seul, même quand vous me quittez. Est-ce que ma mère était belle? Oui, très belle. Est-ce qu'elle vous aimait autant que je vous aime? Sébastien. Ne me parle plus jamais de ta mère. Où allez-vous, monsieur? Voir le roi, monsieur. Comme cela. Vous avez un ordre personnel de sa majesté, sans doute. Non, monsieur. Et l'on vous a laissé venir jusqu'à la porte du roi sans vous arrêter. Vous le voyez. Et comment avez-vous fait? J'ai dit que j'étais porteur d'une lettre de monsieur Necker adressée à sa majesté. Ce qui est parfaitement faux, bien sûr. Ce qui est la pure vérité. Un instant, s'il vous plaît. Sa Majesté va vous recevoir, monsieur. Docteur Gilbert. Oui, sire. Vous me paraissez bien jeune pour être l'auteur de cet ouvrage qui m'a tant frappé. Administrations et politiques. C'est un livre pour un homme de science à cheveux blancs. J'ai connu bien des malheurs, sire, et j'ai beaucoup étudié. En tout cas, vous êtes le bienvenu auprès de moi. Vous êtes comme les bons soldats, vous arrivez à point pour la bataille. Savez-vous qui je viens de recevoir? Une députation de la garde nationale.
Ces messieurs venaient me demander de retirer les troupes que j'ai fait disposer autour de Paris et de les remplacer par une garde bourgeoise. Ah, et puis on me supplie de me montrer à l'hôtel de ville. Et qu'a décidé votre majesté ? Rien. J'attends que l'Assemblée nationale prenne peur des désordres qu'elle a elle-même suscités. Pour moi, on ne me verra pas à Paris tant que les rebelles tiendront le haut du pavé. Pour quelle raison précise venez-vous me voir ? Parlez net, j'ai horreur des faux fuyants. Bien. Sire, je viens vous dire aujourd'hui, il est encore temps de voir l'avenir mieux que vous ne l'avez fait jusqu'ici. Vous ne manquez pas d'aplomb. Vous venez en somme m'apprendre mon métier de souverain. Je suis médecin. Je soigne avec toute mon énergie les maux que je rencontre. Surtout quand je sais qu'ils sont mortels. Vous attachez tant d'importance à l'émeute d'hier. Ce n'est pas une émeute. C'est une révolution. C'est une émeute ! Provoqué par des bandits, des assassins. Par des héros aussi, auxquels se sont joints des assassins. Vous osez. Vous êtes plus chirurgien que médecin, car vous tranchez dans le vif. Ainsi, c'est vous, le docteur Gilbert. Mon nom a dû être prononcé il y a peu devant votre majesté. J'ai été arrêté et jeté à la Bastille. J'en suis sorti tantôt par la grâce du peuple. Puis-je demander au roi très respectueusement s'il était pour quelque chose dans mon arrestation ? Moi ? Mais vous croyez encore en Amérique ? L'ordre de m'arrêter vient de la reine. Comment ? Que vais-vous faire à la reine ? On ne va pas à la Bastille pour rien. La reine n'a fait qu'apostiller la lettre. Comtesse de Charny. Voilà qui est encore plus extraordinaire. Et qu'avez-vous bien pu faire à cette pauvre comtesse ? Je ne connais même pas le nom de cette dame, sire. Il faut en avoir le cœur net. L'officier des gardes du corps qui vous a introduit chez moi est le frère de son mari. Monsieur de Charny, allez quérir votre belle-sœur. Bien, sire. Comtesse, le roi vous prie de le rejoindre sur le champ. La reine m'attend à Trianon. Faites-la prévenir, je suis retardée par le roi. Ah, comtesse. On m'a dit que vous alliez chez la reine. Accordez-moi quelques instants. Je suis aux ordres de votre majesté. Bien. J'ai besoin d'un petit renseignement que vous pouvez sans doute me donner. Il y a 8 à 10 jours, une lettre de cachet a été signée et expédiée par vous et apostillée par la reine. Vous souvenez-vous ? Enfin, répondez, madame. Il est vrai que j'ai écrit cette lettre, sire. Quel crime avait donc commis celui que vous jetiez ainsi en prison ? Je ne puis vous dire le crime, sire. Mais il est atroce. Vous ne pouvez dire le crime à votre roi ? Non, sire. Que votre majesté me pardonne. Eh bien, ce que vous me refusez, il faut bien l'accorder au criminel. Docteur ? Madame, je ne puis que répéter la question qu'a posée Sa Majesté. Que vous ai-je fait pour qu'un ordre de vous m'ait retranché du monde des vivants ? Monsieur, je ne vous connais pas. Vous ne connaissez pas le docteur Gilbert ? Non, sire. Enfin, comtesse, le docteur est un grand praticien.
Ses écrits sont fameux de chaque côté de l'océan et ses expériences sont très connues. Vous n'avez rien à lui reprocher. Vous ne le connaissez même pas. Et vous l'envoyez à la Bastille, vous, la bonne, la noble comtesse de Charny. C'est très mal. Monsieur, je suis au désespoir, vraiment. Avec la permission du roi, je prie madame de répéter ce qu'elle a dit. Je ne connais pas le docteur Gilbert. Mais vous connaissez quelqu'un d'autre qui se nomme Gilbert. Oui. Le plus infâme des scélérats. Sire, daignez demander à la comtesse ce qu'elle reproche à ce scélérat. Il a commis un crime, il y a 16 ans. Quel âge peut-il avoir aujourd'hui ? 32 ans, je suppose. Le crime n'a donc pas été commis par un homme, mais par un adolescent. Ne mérite-t-il aucune indulgence ? Sûrement, sauf s'il a commis d'autres crimes depuis lors. Aucun, sire. Vous connaissez cet autre Gilbert ? Malheureusement, je le connais, sire. Madame, en le faisant arrêter, est-ce que vous ne pensiez pas vous procurer plus facilement une certaine cassette ? Renfermant certains papiers qui pourraient compromettre une personne qui vous est chère ? Monsieur. Sire, je suis le docteur Gilbert. Et je suis le scélérat qui a commis jadis le crime. Le frère de madame m'a poursuivi jusqu'aux îles Açores où il a cru me tuer d'un coup de fusil. Pourtant j'ai survécu et me voici devant vous après toutes ces années. Madame, je prends le roi pour juge. Acceptez-le vous aussi. Et nous allons lui dire tout ce qui s'est passé entre nous. Non ! Je suis l'élève de Joseph Balsamo. Le pouvoir qu'il avait sur vous, je l'ai aujourd'hui. Sire, venez à mon aide ! Dormez, madame de Charny. Non. Dormez. Non. Je le veux. Non. Non. Sire, vous allez savoir tout ce qui est caché dans les ténèbres d'une âme. Est-ce le sommeil magnétique ? Oui. Prenez-lui la main. Posez-lui des questions. Vous avez donc fait arrêter le docteur Gilbert. Je voulais... Cet homme me dévore. Il me brûle. Il me tue. Parlez. C'est bien lui que j'ai fait arrêter, sire. Je n'allais pas lui laisser cette maudite cassette entre les mains. Alors je l'ai envoyé prendre. Où ? Chez les fermiers des terres qui l'a acheté près du château de mon mari, à Villers-Cotterêts. Hier matin, un agent de monsieur de Crone s'est emparé de la cassette. Et où se trouve-t-elle à présent ? Chez moi. À Versailles. Cagliostro l'a prédit, le temps joue désormais contre la monarchie. Suffira-t-il à Louis XVI d'arborer la cocarde tricolore pour arrêter la machine et reconquérir les cœurs ? Quel est le message que le fermier Billot fait porter au sien par Ange Pitou ? Le destin est en marche. Vous pourrez le suivre dans le prochain épisode de La Comtesse de Charny.